En manchette, aujourd'hui, retour sur la dernière séance du conseil municipal à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 3 octobre 2024. Alain Bellumeur, au pépitre. Le conseil municipal ou de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, la séance mensuelle, s'est tenue mardi soir. Nous vous rapportons ici, dans les prochaines secondes, prochaines minutes, quelques extraits qui découlent de cette séance des élus du conseil municipal. Le premier extrait, il sera question d'administration générale, différents points, le pont Grandchamp, le contrôleur animalier, le Centre d'action bénévole d'Autrey et les travaux publics. On écoute. Le pont Grandchamp. Vous savez, pendant la catastrophe du 9 et 10 août, le pont Grandchamp a été beaucoup abîmé. Moi, je me souviens qu'à 2 heures du matin, j'étais sur la 158 parce qu'il y avait de l'eau jusqu'à la 158. Puis, je suis venu à bout d'éclairer le pont Grandchamp et je voyais passer l'eau au fond, sur le tablier du pont, c'est débile. Ça s'est beaucoup miné dans quatre coins, fait que le pont était fermé. On pensait que c'est la famille pour une bonne petite secousse parce que les quatre coins étaient maganés. Le ministère du Transport il est réparé la semaine passée. Il a été réouvert le lendemain après l'inspection par l'inspecteur du ministère. Donc c'est la municipalité remercie le ministère du Transport et de la Mobilité durable pour la rapidité et la qualité des travaux effectués lors de la réparation du pont Grandchamp suite aux inondations du 9 ou 10 août dernier. Nous proposons M. Lambert. Okay, dans le domaine. Alain Lafayette, oui. Avec M. Cloutier. C'est bon? Oui. Accepté à l'unanimité. En 4.2, contrôleur animalier, la municipalité a fait la demande de 3 offres de service pour le contrôle animalier sur son territoire. On a reçu des offres de services de 2 entreprises, le Carrefour Canin de Lanaudière et SPCA Refuge Mon Animaux. La municipalité accorde le mandat pour le contrôle animalier sur son territoire pour la période du 1er octobre au 31 août 2025 à SPCA Refuge Mon Animaux au coût de 14 400 $. C'est un peu moins cher que l'an passé, puis c'est un prix forfaitaire, ça ne coûte pas plus cher que ça. Monsieur Burel propose, secondé de Monsieur Cloutier. D'accord. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 4.3, le Centre d'action bénévole, la CABA, tout le monde le connaît, la municipalité accorde un don de 1 000 $ au Centre d'action bénévole, la CABA. C'était le lancement de la campagne de financement de la semaine passée, à laquelle j'ai assisté. C'est un organisme important dans la région, puis chaque année, on a un don à la CABA. M. Bayard propose, avec M. Darvaux, accepté à l'unanimité. En 4.4, au travaux publics, la direction. Attendu que la municipalité a nommé avec la résolution 130 M. Jean-François Roch, directeur des travaux publics. Ensuite, par la résolution 131, la municipalité a nommé M. Louis-Jean Sarrazin, directeur adjoint des travaux publics, récemment, il y a environ 10 semaines. Entendu que le 19 septembre, M. Roch a remis sa démission à la directrice générale des greffiers trésorières, qui sera effective au 5 octobre. Jean-François nous quitte, il s'en va à Saint-Jean-de-Matha. Puis il quitte en bon terme tout. Il pense s'améliorer s'en allant à Saint-Jean-de-Matha, puis il se rapproche un peu de chez lui. Donc, nous, on se réveille de bord, puis M. Louis-Jean Sarrazin, qui nous fait un travail impeccable depuis son arrivée, la municipalité va nommer M. Louis-Jean Sarrazin à titre de directeur des travaux publics à compter du 5 octobre. Les conditions sont établies dans une entente signée par ce dernier et moi-même, le directeur général, et le poste de directeur adjoint des travaux publics est aboli. Un proposeur, un secondaire, M. Burel propose, avec M. Laferrière. C'est bon? Oui. Accepté à l'unanimité.
Le conseil municipal avait aussi à l'heure du jour un point touchant l'hygiène du milieu. Donc, la firme Nordico, un mandat lui a été accordé. On regarde l'extrait. Un mandat pour Nordico. Évidemment, M. Europe, qui nous quitte, lui, il avait les quatre voulus pour faire la floration de l'eau potable au bassin à Sainte-Élisabeth, pour faire des tests dans des maisons qu'on fait, je pense, une fois par semaine. Mais là, il nous quitte. Puis M. Sarrazin, il n'a pas suivi la formation encore, mais aussitôt qu'elle va être disponible, il va la suivre. Avec un autre, le monsieur qu'on vient d'engager, M. Saint-Cyr aussi. Mais en attendant, il faut mandater la compagnie Nordico pour s'occuper de la floration et de l'entretien du bassin de la rivière Bayonne-Sud à l'entrée de Sainte-Élisabeth où est notre bassin. Puis on le mandate pour le mois d'octobre 2024. On verra après, là. J'espère que ça va se faire assez vite. Mais même là, on veut se donner une chance de contacter des techniciens qui sont accrédités à l'eau potable. Peut-être que celui de Sainte-Élisabeth pourrait nous rendre ce service-là qui serait beaucoup moins cher que Nordico. Mais quelqu'un d'habilité à le faire, là, on n'a pas eu le temps de se lever le bord pour trouver une personne. Là, on prend Nordico pour le mois d'octobre. Un proposeur, un secondaire. M. Maillard propose. J'ai vu la Ferrière seconde. J'ai vu faire signe, oui. Oui, d'accord, c'est OK, accepté à l'unanimité. Terminons ce tour d'horizon du conseil municipal, la séance ordinaire du 1er octobre dernier à Sainte-Geneviève-de-Berthier, en s'attardant au dossier loisirs et culture. Il a été question de la fête des neiges 2025 en préparation et de la halte routière. On écoute un autre extrait. La fête des neiges 2025, que la municipalité mandate feu d'artifice Orion pour les feux d'artifice lors de l'événement de la fête des neiges qui aura lieu samedi 8 février 2025. C'était un succès l'an passé et on veut répéter cette année, mais il faut réserver les feux d'artifice assez de bonne heure. Fait que, il s'agit de mandater feu d'artifice d'Orion qui d'ailleurs est dans notre municipalité. Monsieur Burel propose avec M. Cloutier. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 10.2, la halte routière, une demande de soutien financier. Peut-être que je vais l'apprendre à certaines personnes, mais la ministre des Ressources naturelles et des Forêts nous loue la halte routière qu'on a vers la Norelle, pas loin de la Pépinière. La halte routière est louée à la municipalité. Et entendu qu'on a comme projet d'aménager il est un petit peu mieux la halte en changeant des tables de pique-nique, en ajoutant des tables de pique-nique, en en réparant aussi. Fait que, on veut demander une aide financière au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Un proposeur, un secondaire. M. Bayard propose. M. Darvaux, seconde. Accepté à l'unanimité. Voilà donc pour cette petite tournée des sujets discutés lors de la séance des élus à Sainte-Geneviève-de-Berthier. La Société Saint-Vincent-de-Paul, la conférence Sainte-Geneviève-de-Berthier, a remis un chèque de 6 000 à l'École du chemin du roi, à Berthierville, pour l'aide aux élèves des écoles primaires là, du Grand Berthier. On parle de repas, de services de garde, de frais scolaires, d'effets scolaires, etc. Sur cette photo, on retrouve Yvan Bertiom, qui est trésorier de la Société Saint-Vincent-de-Paul, Yvon Fafard, qui est le président de l'organisme, Madame Julie Rassette, la directrice de l'école ou des écoles, et Gilles Pelletier, administrateur. Donc, un beau geste pour nos élèves. Le Centre d'action bénévole d'Autré revient avec une nouvelle conférence, Raconte-moi une histoire. On écoute M. Paul Boudreau, le conférencier, nous parler des sujets de la prochaine conférence qui se tiendra le 8 octobre prochain. On l'écoute. Bonjour, chers amis. Je viens vous dire deux mots sur le contenu de la prochaine conférence qui va avoir lieu au CABA le 8 octobre, mardi le 8 octobre, à 13h30. Alors, lors de cette conférence, je vais vous parler que de personnages qui ont déjà existé.
D'abord, je vais vous parler du procès cocasse du peintre naïf Douanier Rousseau au début du 20e siècle. Va suivre la saga des zouaves pontificaux. Puis, je vais vous entretenir des années où René Lévesque a été correspondant de guerre, une période de sa vie qu'on connaît très peu. Puis, va suivre la menace nazie sur le Québec, avec Adrien Arcand, entre autres, comme chef des fascistes. Et pour terminer, je vais vous entretenir sur Louis Riel, traître ou héros. Alors, ce sont des sujets fort intéressants. J'espère que vous allez apprécier. Et on se voit donc mardi le 8 octobre à 13h30. Merci beaucoup, chers amis. À bientôt. Bonne conférence. Et sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600$ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000$ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires. Tout d'abord, celle d'hier. On le fait avec une journée de retard vu qu'il n'y avait pas de bulletin de nouvelles, mais on voulait le souligner quand même. Donc, les filles d'Isabelle de Berthier ont souhaité bonne fête à Edith Guertin et à Joanne Vincent et le centre et la FADOC de l'Île-du-Pas a souhaité bonne fête à Carole Content. C'était le 2 octobre. Aujourd'hui, 3 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Ghislain Côté, à Claudine Latour, à Anne Latour. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Fernande Gladue et à Lucette Pelletier. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Tommy Bellan, 16 ans, de Saint-Hippolyte. Il a été vu pour la dernière fois hier, durant la matinée, dans le secteur de la 36e avenue, c'est à Saint-Jérôme. Il pourrait être, dit-on, dans les régions des Laurentides, de Lanaudière, de Laval ou encore de Montréal. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Sa description, 5 pieds 6 pouces ou 1,68 m, son poids 165 livres ou 65 kilos. Il a les cheveux bruns et les yeux bruns. Toute personne qui apercevrait Tommy Bellan est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. CTRB vous présente maintenant la dernière partie, là, la finale, si on peut dire, de l'entrevue que nous a accordée il y a quelques jours le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Dans cette section de l'entrevue, il parle des prochaines semaines à la Chambre des communes, de zones inondables et de protection des berges. On l'écoute. Non.
Là, tu as passé, tu reviens te reposer un petit peu dans ton côté. Ça, mais non, mais qu'est-ce que je veux dire? Mais là, ça recommence. Là, la semaine prochaine, c'est reparti encore. Oui, on siège la semaine prochaine. Une grosse mobilisation qu'on prépare pour la semaine prochaine. Ah. Pour nos aînés, c'est la campagne. Sur la colline. J'essaie de mobiliser les mondes agricoles aussi pour nos deux projets de loi, pour les faire avancer, pour démontrer au gouvernement qu'on est sérieux, démontrer aux sénateurs qu'on est sérieux, puis les obtenir, ces gains-là. Fait que oui, on retourne. Ben, lundi, c'est la journée de vérité et réconciliation. Donc, oui, c'est ça. À partir de mardi, on retourne. On siège. La prochaine relâche est à partir du 14 octobre. Donc, nous, avant le 14 octobre, on s'attend à voir. Bien, tu sais, notre deadline, c'est le 29, il faut que ça aille bouger d'ici le 14, inévitablement, si on veut que ça soit réglé le 29, là. Il y a des choses qui sont pas tirées. Le comité sénatorial, c'est ce que je mentionnais dans le comité aujourd'hui, c'est que là, ils ont fait deux séances sur C282, la gestion de l'offre, la semaine dernière. Puis cette année, ils reprennent une étude de long cours qu'ils ont fait pendant plusieurs mois déjà l'année dernière sur les relations avec l'Afrique. J'enlève rien que l'Afrique. Je veux pas dire que l'Afrique, c'est pas important. Mais des projets de loi qui ont été votés par une majorité démocratique, je pense que ça devrait passer en premier. Ben. Puis l'Afrique, on pourrait le terminer, surtout si on ne défait pas le gouvernement fin octobre. Okay. Là, j'avais lu aussi, je ne sais pas si tu es capable de m'aider. Là, si il y aurait des élections, s'il y aurait une fermeture. Donc, en fait, j'ai lu aussi que le projet de loi ou l'idée de changer les taux de cotisation pour les gains de capital, ça tombe aussi, là, parce que c'est pas en réglé. En fait, tous les projets de loi qui ne sont pas finis tombent. Ça, c'est un projet de loi, c'était pas dans le but. C'était dans le budget. Oui, mais c'était une annonce au printemps. Puis on n'a même pas le projet de loi final. Nous, on s'est élevé contre certaines choses. Mais ils ne disaient pas ça commençait en juin. Un faible salarié qui a acheté un duplex pour assurer sa retraite, on a dit ça n'a pas de bon sens, tu ne vas pas y enlever ça. Tu sais, il faut créer des mais tu sais, c'est correct d'imposer les plus riches aussi, il faut faire attention. Mais ça ne commençait pas en juin automatiquement, ils n'ont pas mis une clause de juin. Oui, mais la loi n'est pas votée. Okay. Fait que c'est un peu compliqué, là. Puis on attend encore les détails. T'sais, on a des inquiétudes pour le transfert des entreprises agricoles, un paquet de choses comme ça. Puis là, évidemment, d'un côté, tu as les conservateurs qui disent « C'est pas adapté, ça prend le... » Puis là, il y a nous autres qui disent « Ben là, on va recevoir le projet de loi avant, on va le regarder, on propose pas des amendements s'il faut. Ouais. » Puis après, on dénoncera si c'est pas bon. Mais nous, on le sait pas. Okay. Fait que non, c'est pas... Ça tomberait, effectivement. Ça tomberait, effectivement. Ouais, ça veut pas dire que le gouvernement ne reprendrait pas, mais ça tomberait. Un dernier point qui est plus local, tout ça. Dans le coin ici, ben, au Modo, on a eu beaucoup de difficultés avec l'eau, avec les... Bon. Là, il y a des... Je ne dirais pas des confrontations, mais encore là, des gros enjeux, parce que là, on parle de zones inondables, on parle de l'érosion des berges, tout ça. Est-ce que ça se réconcilie? Parce que là, beaucoup, présentement, la problématique qu'on a au provincial, c'est qu'ils veulent déterminer des zones inondables, mettre des choses, puis ça, d'en avoir entendu un petit peu parler. Bien aussi à cause de mon truc sur l'érosion des berges. Non, mais c'est ça, mais est-ce que c'est ces deux amalgames qui se tiennent ou au bout de la ligne, ça peut créer encore là des conflits, des choses, parce qu'on parle qu'on sait qu'à Berthierville, selon les cartes, il n'y a rien de décidé, il n'y a rien de fait. On est du bord du fleuve, que donc le fleuve, c'est fédéral. Ouais. Ils disent, bon, c'est rendu que le centre-ville serait zone inondable. T'sais, on parle avec Alain Goyette, de l'île du Poc. Qui est un leader régional en passant dans le dossier. Oui, je suis très content d'avoir Alain dans le dossier. Ils sont pas là, je dois t'avouer. C'est un gars qui est travaillant, qui est devenu rapidement un expert là-dedans. Puis, tu sais, d'autres députés à 36 municipalités, là, on veut bien être partout. Mais on a besoin de gens comme Alain. Parce que lui, je le salue s'il nous écoute. Non, il est très bon. Puis merci d'être là. Mais tu comprends que c'est un enjeu. Ta question, elle est très vaste. Elle est très vaste, parce que là, tu parles d'érosion inondable, mais tu parles d'érosion des berges, puis ça se rejoint au bout de la ligne. C'est plusieurs dossiers différents qui ont un point commun. On parle de l'eau, puis on parle de l'aménagement du territoire avec les changements climatiques. Donc, les zones inondables, c'est le gouvernement du Québec qui a décidé d'augmenter les zones inondables. De mettre des conditions, ça cause beaucoup de contestations. Oui, c'est quelque chose. Okay? Puis là, les inondations du mois d'août, c'était complètement différent. C'est que les cours d'eau importants qui causent des problèmes d'habitude n'ont pas causé de problème nécessairement. Ouais. Le fleuve était bas, à l'île du Poc, il y a zéro dommage. C'est la rivière Bayonne. Ouais. C'est la rivière Chico, la petite rivière du Loup. Mais ça a fait l'érosion des berges, il y a des maisons qui ont perdu. Puis il y a des endroits où il y a eu des travaux, puis les cours d'eau ont été déviés, puis là, oups, on voit que la nature veut retourner là. Mais moi, je pense qu'il y a une leçon à apprendre de ça, puis je porte pas de jugement, mais nos prochains aménagements, il faut regarder la nature où est-ce qu'elle est. Pensez à un espace vital des cours d'eau. Un cours d'eau là, qui coule comme ça, c'est pas vrai qu'il va rester tout le temps comme ça. Non, non.
ça se peut que tu sois là quand même à certains temps de l'année. Donc, là, tu sais, on va falloir qu'on arrête de se construire là. Mais il faut respecter aussi les gens qui sont déjà là. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut offrir des délocalisations. Faut, tu sais, c'est complexe, là, la question. Là. Puis c'est vraiment, les zones inondables, c'est vraiment Québec qui le gère. Sur l'érosion, dans les territoires, c'est Québec aussi. Nous, notre intervention, elle porte sur la voie maritime du Saint-Laurent. Okay. Tu sais que là, ils sont en train de regarder de faire des travaux sur les déversements. Ouais. Puis ça va avoir un impact. Ça va augmenter le niveau des cours d'eau. Ça va augmenter les possibilités. Nous, on dit, le fédéral a une responsabilité là-dedans parce que sa voie navigable qui lui rapporte X, des centaines de milliards de dollars par année en commerce, c'est cool. Ouais. Je pense qu'il y a une partie de ça qui revient aux citoyens pour qu'on puisse aménager nos berges et s'adapter comme il faut. Et protéger aussi les acquis. Tu sais, moi, c'est un petit peu ça aussi que je trouve dommage. T'sais, oui. Il y a bien des gens. Mais tu sais, c'est une question extrêmement complexe. Puis les cours d'eau, il n'y a rien de plus compliqué. J'ai d'autres lacs intérieurs dans sa circonscription. Les maires veulent réglementer. Puis tu sais, les berges sont à la municipalité. La navigation, c'est fédéral. Mais le fond de l'eau est à Québec. Voilà. Amusez-vous. Oui. Puis là, ben, ah, quand tu mets une borne à tant de pieds, ben là, c'est plus que tel gouvernement, c'est un autre. Puis tu restes un peu comme au fédéral. À chaque dossier que tu vas trouver, il y a trois ministères impliqués. Là, tu parles au chef de cabinet, ou ah, mais ça, c'est pas nous autres, c'est l'autre. Là, tu rappelles à l'autre, ah, ben ça, il faudrait aussi parler au troisième. Puis là, finalement, c'est jamais de la faute à personne, puis il n'y a rien qui avance. Tu sais, les juridictions, là. Mais on a des gens qui sont bien, bien, bien actifs. J'ai plusieurs, on a parlé d'Alain, tu sais, j'aurais pu parler de Mario Frigo à Saint-Gabriel. Il y a plusieurs maires qui sont bien engagés, tu sais, André Villeneuve, à la Marais, qui a un leadership extraordinaire dans ce dossier-là aussi, qui est à l'origine, en fait, des études qui ont été payées par les municipalités. Oh, ça, en fait, je les salue toutes les 36, là, ouais. Parce qu'ils font surtout suite au mois d'août. Ben oui. C'est dans des circonstances comme ça qu'on voit qui est au front, t'sais. Puis c'est nos élus locaux. Mais les cours d'eau, c'est une question complexe. On n'a pas fini de la régler demain. Le petit bout que moi, je peux faire, c'est aller chercher de l'argent du fédéral. On continue à pousser là-dessus. Mais sinon, comme société, il faut aussi qu'on apprenne à regarder où la nature, comment elle agit, puis s'ajuster autour. Sur ce, allons à la pause. CHC Le Château à Berthierville le 23 septembre dernier à l'âge de 71 ans. Est décédée Mme Jeanne Manse Plante, épouse de M. Yves Drolet, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé Lucie Plante, feu Prosper Valois, Pauline Plante, feu Louis Cloutier, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean-Yves Drolet, Marc Drolet, Tina McGee, son petit-fils Émile, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Réjeanne Thibault, feu Clément Plante, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Guylaine Plante, Alain Vadenay, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, Rosaire Plante, Michel Drolet, feu Jean Gingras, Daniel Drolet, feu Lucien Dufour, Lise Drolet, Jacques Frappier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 12 octobre, 11h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Plante sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À Rouyn-Noranda, le 13 septembre, à 45 ans, est décédé Pierre-Yves Bellemare, conjoint de Jacinthe Pelland, demeurant à La Veltrie. L'ayant précédé son père Yves Bellemare, il laisse dans le deuil sa mère Jacinthe Lajoie, Jacques Leduc, son frère Mathieu Bellemare, Martine Tellier, ses nièces Eliane et Rose Bellemare, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 13 octobre, 13h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra un hommage, directement au salon à 15h.
M. Pierre-Yves Bellemare sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 24 septembre dernier, à 88 ans, est décédée Mme Agnès Courchaine, épouse de feu Jacques Coutu, demeurant à Saint-Thomas. Elle laisse dans le deuil sa fille, Annie Coutu, Réal Papa, sa belle-sœur, Rachel Boucher, feu Jean-Marc Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant pour les soins à domicile du CLSC et de la Coop. Un remerciement tout spécial à Mme Monique Beauchamp. La famille vous accueillera samedi 19 octobre midi au salon funéraire Eftério situé au 46 des Érables à Saint-Thomas. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Thomas à 14 heures. Mme Courchaine-Coutu sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas le même jour. Au CHSLD Le Château à Berthierville le 30 septembre à 88 ans est décédée Mme Yolande Gervais, épouse de feu Jean-Guy Dupuis, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé son fils Robert Dupuis, elle laisse dans le deuil ses enfants. Yves Dupuis, Sylvie Dupuis et Richard Courchaine, ses trois petits-enfants, Nancy Courchaine, Francis Courchaine et Marie-Annick Courchaine. Ses arrière-petits-enfants, Coralie Jutras, Derek Jutras, Océane Courchaine, Florence Courchaine et Martin Dupuis. Sa sœur et ses frères, Marie-Claire Gervais, feu Maurice Ringuette, Irénée Gervais, feu Pierrette Ross, Jean-Marie Gervais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Yolande Gervais ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 15, un temps ressenti de 14. Jeudi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 11, un temps ressenti de 10. Vendredi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 11, un temps ressenti de 10. Vendredi après-midi, ce sera des risques d'averse. Une température de 21, un temps ressenti de 22, moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 16, un temps ressenti de 16, moins de 1 mm de pluie. Et vendredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 11, un temps ressenti de 10, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 3 octobre, toute l'équipe de CTRB vous a présenté le bulletin d'information quotidien de notre station de télé. Donc, on vous remercie d'être des nôtres jour après jour pour entendre, pour apprendre des nouvelles qui vous concernent. Donc, on se retrouve demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Votre télé. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.